bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, encore une petite vidéo mise à jour. Je pense que maintenant, dès qu'il y aura des petites mises à jour sur le GP Mode, je ferai des petites vidéos comme ça, ça vous plaira. Donc du coup, là, aujourd'hui, nous allons faire un truc très intéressant. J'ai des petites idées. Alors, je sais pas, vous avez vu pendant les vacances d'août, je me suis amusé à parler sur un truc au sujet des fleurs en endium qui donnaient des endium nuggets. J'ai dit, pourquoi pas prendre les endium nuggets pour faire de la teinture bleue. Comme ça évite de chercher pendant des heures et 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 des heures. Justement de la teinture bleue pour faire les blocs de décoration, tout le dard, ouais. Donc du coup, je suis en train de me réfléchir. Et pourquoi pas faire justement certains modes en question. Et surtout là, de mettre par exemple, au lieu de mettre du bloc de quartz, ça va être très long à miner. Pourquoi pas faire justement un monde avec par exemple des blocs d'os hein, ou des blocs des underpearls faciles. Sachez que GP Mode de base, on peut l'utiliser soit en solo, soit en créatif, peu n'importe. Et j'ai pourquoi pas, moi de mon côté, faire des petits trucs exceptionnels. Genre par exemple de essayer bien sûr, donc avec les endium nuggets de couleur bleue, hein, ainsi que des blocs de quartz, on change en blocs d'os. Ça, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Je vais voir de mon côté. Et d'un autre côté, pourquoi pas, on va dire, d'avoir d'autres choses, par exemple, plus faciles à avoir. Par exemple, le bloc de quartz obtensible directement en génération, on va dire, dans le minerai en l'overworld, un petit peu plus poussé. Donc voilà, donc, je ne sais pas. Je vais regarder de mon côté. Ce serait intéressant. Et en même temps, de faire un Enderman, comme moi je suis fanatique d'Enderman. Un Enderman pas méchant, tout sympatoche, qui peut simplement vous échanger quand il veut des Enderman. Donc il posera la question, un peu comme un sorte de villageois, mais qui sera Enderman, qui vous fera pas chier du tout. Donc du coup, là j'ai pourquoi pas m'amuser, donc un Enderman qui sera non violent, pour une fois qu'on aura un Enderman non violent. Donc bien sûr, bon, après, voilà, vous pouvez la regarder, il vous fera pas de mal. Donc ce sera très intéressant, donc voilà, donc c'est un petit peu, pour moi, un truc intéressant. Et voilà, donc du coup, pourquoi pas faire ça, ce sera très intéressant. Donc on va pouvoir passer au vif du sujet. Voilà, alors ça y est, nous sommes aujourd'hui dans le GP Mode, hein, comme de bien entendu, ça change pas, comme de bien entendu. Alors du coup, aujourd'hui, nous allons faire un petit peu un truc intéressant. Parce que j'ai dit oui, pourquoi pas justement faire des choses intéressantes. Alors vous savez quand même que j'ai prévu plein de choses. Mais j'ai dit bon, pourquoi pas faire ça, ça peut être très utile. Et donc voilà, donc on va faire déjà un petit peu le tour. Alors déjà nous avons déjà le fameux bloc d'os. On verra si on peut faire du minerai de quartz un peu plus intéressant dans l'overworld. Ça serait très intéressant ou peu n'importe ou carrément... De faire, je ne sais pas, je verrai ça de mon côté, ou je verrai peut-être que je ne mettrai pas un bloc de quartz, mais je ne mettrai qu'un cristal de quartz, parce que je vous garantis, miner autant de quartz pour faire des blocs, ça va être assez compliqué, donc on va voir tout ça un petit peu, ça sera très intéressant, et on va pouvoir regarder, alors du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il me faut l'endium nuggets, alors je ne sais pas où est-ce qu'il est. L'endium nuggets, un filin, là de toute façon c'est pas du côté palladium et compagnie, endium iodurine gold, là, ah c'est pas ici l'endium nuggets, c'est au palladium, donc du coup ça, je vais pouvoir, oui, faut que je fasse le truc, parce qu'en fait l'endium nuggets ne fait pas partie de GP Mode. Ça, c'est un très mauvais truc. Hein. Pourquoi? Parce que ça me permettrait... ça, en fait, l'endium nugget, je verrai ça plus tard. Parce que ça peut être une très bonne chose. Je regarderai ce que je peux faire. Donc, du coup, je croyais que c'était dans le GP mode l'endium nugget. Et non, c'est dans le pala mode. Alors ça, du coup, je verrai ça plus tard. Donc, ce sera très intéressant. Je verrai de mon côté. Donc, je pense que ce sera dans une autre version. Je verrai ça de mon côté. Parce que sinon, il faudra que je fasse... du coup... Ah, si, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je regarde par contre dans les ressources si j'ai pas la ressource de l'endium. Si j'ai le minerai d'endium, si j'ai ça, donc j'ai le minerai, donc bien sûr qui est pas dans le palamode.
Hein, sinon, c'est pas rigolo. Et si j'ai l'odium de Gats. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Bon, on va faire ça. On fait un petit peu le truc. Hein. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, c'est bizarre, j'ai pas le. Ah non, j'ai pas en fait. Donc, ce sera simplement. Ah oui, il faudra simplement. Ah ouais. Faudrait vraiment que je modifie ça par contre. Parce que là, c'est. Donc, là, je peux modifier de dire que c'est le minerai en endium. Je me rappelle plus du tout. Donc, là, du coup, je vais regarder mode élément. Là, et je vais aller voir dans Del mode. Je crois que c'est le jeu PVP. Je m'en rappelle plus parce qu'en fait je n'ai pas le palamode, c'est bizarre. Je vais regarder. Donc du coup voilà, nous serons revenus parce que j'ai fait une grande ellipse parce que je vous garantis c'est un peu le bordel. Alors du coup il faut que je fasse normalement le endium or c'est sur palamode et là j'ai regardé c'est le minerai d'endium. Donc je peux faire deux petits trucs différents. Moi ce sera mieux, ça évite d'avoir des conflits, je vous garantis, j'ai pas envie d'avoir des conflits sur les deux modes. Alors du coup, ce qui fait, on va faire un petit minerai. Donc, minerai. Ah c'est vrai. Endium. Voilà. Là, bloc. Ok. Oui. Là, ici, paf. Si tout se passe bien, j'ai les textures d'à côté. Voilà. Je vais mettre le texture, il est là. Voilà. Suivant. Vous allez me dire non, palladium, machin. Non, palladium n'a pas de minerai d'endium. Hein. C'est moi qui l'a conçu, la texture. La suivant. Donc. Voilà. Minerai d'endium. Donc là, ça c'est bon. Créative, donc là EGP mode. Voilà. Résistance, non pas mal. Pickaxe, oui. Destroy, oui. Ça, je modifierai après. Ground, Iron Stone. Iron Stone. Ah, je pense savoir en fait le. En fait, de base, c'est quoi Je pense que le truc c'est plus de la roche. Non, parce que de toute façon, roche et iron c'est pareil. Je pense que ça doit être de la. Non, je sais pas en fait. Je pense que c'est reconnu comme le sable le truc. Non, faut que je voie. Donc, ça c'est bon. Luminance c'est bon. Ça c'est bon. Suivant. Ça c'est bon. Ça oui. Suivant. Pas du tout. Fréquence générale dans World. Oui. Avec la même quantité de base, oui. Ça, oui, pas besoin. Nac. Donc ça, c'est fait. Et je vais mettre le petit trait d'union. Parce qu'en fait, si non, je pense que c'est un. Plus item voilà endium ah ok nuggets voilà ok voilà donc là petit item des familles je recherche il est là voilà donc ça c'est bon ouais paf suivant je pense que je vais faire comme ça ouais je verrai si ça fonctionne ou pas alors du coup créative donc là paf je vais mettre EGP mode voilà donc là Dark Seas ok machin ok là si je fais ça ce que je peux faire. Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. Oui, je peux faire ça. Genre, c'est encore mieux. Au lieu de faire cuire le truc, je vais pouvoir directement le faire popper directement comme un peu. Ouais, ça peut être utile. Ouais, je vais faire ça. Ça évite de le faire cuire. Donc ça, lui suivant. Ça, non. Donc là, ce que je peux faire. C'est que là.
Ok, donc là, d'accord. Moi, je pense que je vais le faire cuire quand même. Oh non, je peux le faire claquer directement, ouais. Alors, suivant. Ok. Donc, ça, c'est bon. Moi, ce que je vais faire, si tout se passe bien. Allez. Allez, allez, allez. Ah, ouais, c'est bon. Voilà. Et je vais me retourner au niveau du minerai. Voilà. Je vais faire suivant. Voilà, donc là déjà il drop ceci. Donc là un item. Le endium. What the fuck mode. Voilà. Tac, ok. Voilà, comme ça drop directement l'endium nugget. C'est plus facile pour moi. Donc là suivant, parce que. Oh, oh non, rollback. Là, ça sera mieux si je mets ça. Voilà, suivant. Là, donc ça c'est bon. Et je vais mettre l'endium nugget quand même à faire cuire parce que j'ai pas envie que ça fasse tout un bordel. Voilà, et comme ça c'est fait. Voilà. Ouais, c'est ça directement. Voilà. Donc je fais fondre ça directement suivant. Ok. Ça c'est bon. Donc comme ça, le truc, c'est que quand je vais faire ça, ça sera fait directement. Donc là maintenant, l'endium nugget, je retourne dans le truc. Suivant, suivant, suivant. Et là, faut que je fasse la teinture bleue. Et le problème, c'est que la teinture bleue, je peux pas. Comment je vais pouvoir faire? Donc là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut simplement que je puisse donc la faire fondre ça. Suivant. Ah. Donc là, par contre, je vais faire un petit truc que je vais regarder. A few moments later. Bon, alors du coup, je vérifierai ça plus tard parce qu'en fait, c'est un peu le bordel. Donc là, j'ai vu un peu parce que je ne sais pas en fait comment je peux faire pour mettre directement une couleur prédominante. Mais le problème, c'est que si je fais ça, ça va me casser un peu tout le truc. Après, il y a moyen. Il y a moyen. Mais le truc, c'est. Faut que je recherche. Faut que je regarde dans mon jeu P mode. Dans mon truc jeu P mode. Qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour le bleu? Je sais que c'est assez complexe. Parce que je sais que. Après, il y a moyen. Si, après, il y a moyen. Faut que je voie comment. Là, c'est les lampes, les poupoules. En même temps, je regarde en même temps. Parce que là, je suis un petit peu perdu. Les poupoules, les blocs décoratifs. Hein. Donc ce qu'il fait, c'est que si j'ai fait ça, ok. Donc le bleu en endium, ça je pourrais le modifier. Il y a quoi aussi qui pourrait être modifiable? Ah là, c'est assez compliqué parce que le rose, pour ma part, si je regarde bien, normalement tout se passe bien. J'ai même un dossier qui est dans un coin. Voilà, ici, j'ai mis de mon côté téléchargement. Voilà. Voilà. Là, normalement, ça, c'est les couleurs qu'on a dans le truc. Et moi, ce que je veux, c'est une teinture bleue. Au lieu de ça, donc le problème, c'est que si je fais ça, faut que je fasse obligatoirement le violet. Et qui dit violet, dit aussi ça. Le problème, c'est que si je fais ça, faut que je fasse toutes les couleurs. Et ça, c'est très compliqué. Donc, je pense que la couleur bleue, il y aura simplement. Ça, franchement, vous me dites s'il faut. Et puis je referai les teintures bleues de couleur directement dans le jeu P mode. Si ça vous intéresse, je ferai ça directement. Ça peut être utile. Donc vous me redites ça ou quoi ou s'il faut. Je pense que je referai ça proprement parce qu'en fait, s'il faut, c'est que ça va être compliqué en fait pour avoir des teintures toutes les couleurs. Mais ça faut jouer. Ça peut être une très bonne chose. Il faut simplement qu'on me dise. Et moi, dans ce cas-là, ça me permettra de faire un truc propre. On sait que par exemple la teinture jaune, ça va là. Donc après, faut que je voie. Faut vraiment que je regarde. Ça peut être utile. Vous me retenez au courant. De toute façon, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais voir de mon côté si c'est possible. Et puis on verra par la suite. Donc du coup, il y avait ça. Il y avait aussi donc le fameux Underpearl. Donc la fameuse Underman. Mon personnage préféré. Donc là, plus mob. Donc là, je vais mettre Underman. Underman
poli. Poli. Dernière pourquoi. Poli, ouais. Gentil. Man. Le copain. Pourquoi je mets coin, moi? Voilà, le copain. Ok, donc là, ça, c'est un mob. Ok. Je ne sais pas si vraiment bipède. Ouais, bipède, ça, c'est sûr. Bipède, ouais, ça, c'est sûr. Monster, non, c'est ambiant. Ça, c'est sûr. Non, faut que je fasse villageois. Faut que je fasse villageois. Villager, ouais. Un port mordel, ouais, donc là, new fichier, type de fichier, tous les fichiers. Donc là, par contre, c'est dans téléchargement. Ça, j'ai regardé directement là. Téléchargement, ok, là. Voilà. Faut que je regarde où est-ce qu'il est le truc. C'est Enderman. Enderman. C'est des Enderman, voilà. Là, ouvrir. Voilà, normalement ça fait bien. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Non, je ne sais pas pourquoi il veut pas. Il veut un fichier Java. Ah, chien. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il veut pas. Pourquoi qu'il veut pas. Type des fichiers. Tous les fichiers. Donc là, Enderman. Pourquoi qu'il veut pas. Ouvrir. Ah ah. Qu'est-ce qu'il mit. Ah ah. LOL. Ah. Je vous garantis, ça fait 5h30 que ça rush. J'ai fait une quantité impressionnante de mises à jour. J'ai M-Creator qui faisait que de cracher. C'était un truc de malade. Obligé de faire des mises à jour personnelles directement. Donc là, c'est la version EGEP mode 3.7.5. En créatif, on va voir un petit peu tout ça. Créer un nouveau monde. Oui. J'ai hâte de voir un peu le résultat. Parce que je vous garantis, depuis tout à l'heure... J'ai fignolé. Ça fait 5h31 qu'il y a rush. Ça fait depuis 3h du matin que je tourne. Et là, il est 8h30 du matin. Et oh, ah, comment que c'est beau. Qui. Oh, ils sont beaux les doudous. Par contre, il y en a un peu de trop, mais bon. Par contre, c'est bizarre que les machins, ils sont un peu paumés sur le côté. Ça faut jouer plus tard. C'est un bug graphique, je verrai. Mais ils sont parfaitement bien. Coucou mon dodo. Ça va? Tu me prévois quoi? Attends, je vais regarder. Je vais te prendre une petite épée en marron suisse des familles. Voilà. Qu'est-ce que tu me drops, mon garçon? Oh. Oh. Deux œils de l'end. Ça, c'est bien ça. Donc du coup, ça y est, c'est enfin ça fonctionne. Ah ou des fois c'est un. Des fois c'est rien. Franchement, là, c'est du matos. Alors, par contre, là, ça va. Il y a un petit peu de spawn. On sera vraiment dans un truc de land en fait, tellement qu'il y en a. Ah oula, je sais pas ce qui s'est passé là, mais. C'est violent. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était violent dans le coin. Voilà. Non, franchement, ça m'a pris du temps. 5 heures après. Je vous garantis. 5h30. 5h30 de rush pour savoir comment faire. Par contre, j'ai remarqué que les pellicules étaient sur le côté. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fonctionnait parfaitement bien tout à l'heure. Alors, je pense que c'est un bug graphique. Voilà. Il suffit simplement que je me déco et recours. Je pense que ça sera ça. Un solo, reprendre.
Je pense que c'est plutôt un espèce de bug graphique qu'autre chose. Ah non, je sais pas, faudrait que je vérifie. Je vérifierai ça, mais bon, ça sera plus tard une mise à jour. Je ferai la mise à jour de ça plus tard, parce que là j'ai la flemme, là j'ai passé 5 heures là-dessus. Franchement, ça m'a plu. Regardez, c'est trop beau, parce qu'en fait, si je fais ça, je fais ça. Voilà, je recule un petit chouïa, voilà, je fonds dans la masse. Bon, cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme bien entendu, bah c'est pas faux, hein.